Bénis au Seigneur. Merci Seigneur, nous sommes là pour écouter ta parole et nous souhaitons vraiment que nous puissions recevoir, non seulement recevoir, mais qu'il y ait des fruits qui en sortent par la suite. Que la terre qui reçoive la semence soit fertile et bonne et que nous puissions voir les fruits. Nous allons faire cette prière personnelle. Nous allons demander à Dieu de parler à nos cœurs et nous allons demander également à Dieu de préparer à nos cœurs. Que nous soyons réceptifs à ta parole. Connecte-nous à la bonne fréquence, Seigneur Jésus. Et que nous soyons concentrés, connectés, Seigneur, aux choses du ciel. Tu es tout. Écoutez, Seigneur, ce matin, parle. Tu es tout. Dieu est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Je salue tout le monde. Bonjour à tous. Et Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message de ce midi. Nous serons brefs. Et je vous dirai par après pourquoi je serai bref. Amen. Prenons nos Bibles.
Aujourd'hui, je vais parler sur le mariage. Vandaag gaat u spreken over het huwelijk. Vous allez vous poser la question, pourquoi le mariage? U zult waarschijnlijk u afvragen, voor waar het huwelijk vandaag? Vous avez raison de poser cette question. U heeft gelijk om daar een vraag. Il est rare qu'on puisse parler du mariage sans consacration, sans qu'il y ait de mari. En het is heel raar dat wij over huwelijk spreken zonder dat er trouw, allez, dat iemand trouwt vandaag. Sans la cérémonie de mariage, zonder soit dans nos églises, nous ne parlons pas du mariage. Zonder de cérémonie van het huwelijk zelf. Et vous allez vous demander, est-ce qu'il y aura le mariage aujourd'hui? En je zult u waarschijnlijk afvragen, is er een huwelijk vandaag? Soyez rassurés. Wees gerust. Amen, amen. Amen. Le mariage, tuurlijk. Dans l'église, nous avons fait le tour des thèmes. Wij hebben in de kerk over alles besproken. Les hommes de Dieu nous ont prêché sur presque tous les thèmes de la Bible. Mannen van God heeft ons over heel veel onderwerpen gesproken over alle dingen van de Bijbel. En commençant sur le salut. Beginnen met onze redding. Et nous sommes allés jusqu'au dernier temps, le temps de la fin. En we zijn zelfs tot aan het einde van de tijd. Over gesproken van het einde van de tijd. Et aujourd'hui, je vais parler du mariage. En vandaag gaat het over het huwelijk spreken. Laissez-moi vous dire que le mariage, c'est l'institution divine. Un huwelijk is een institutie van God zelf. C'est Dieu qui a commencé le mariage dans le jardin d'Eden. God is met het huwelijk begonnen in de tuin van Eden. Dieu aime le mariage. God houdt van huwelijk. Dieu aime que les gens se marient. God houdt ervan dat de mensen trouwen. C'est la raison pour laquelle Dieu a déclaré que le mariage soit honoré de tous. Daarom zegt hij dat de huwelijk moet erkend worden door iedereen. Dieu lui-même honore le mariage. God zelf erkent het huwelijk. Dieu lui-même respecte le mariage. God zelf respecteert het huwelijk. Et je vais m'adresser à tous ceux qui sont mariés et à ceux qui vont se marier prochainement. Als dat tegen mensen spreken die getrouwd zijn vandaag en diegenen die gaan trouwen. Vous ne pouvez jamais parler du mal du mariage. Je kunt nooit iets slechts spreken over het huwelijk. Et personne n'a le droit de rompre un mariage, quelque chose que Dieu a scellé. Niemand mag een huwelijk breken, uiteenhalen. Iets dat God zelf heeft bijeengebracht. Pourquoi Dieu aime-t-il le mariage à tel point? Waarom houdt God zoveel van een huwelijk? La Bible déclare dans le commencement. De Bijbel zegt in het begin. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. God heeft gezegd, het is niet goed dat een mens alleen is. Ce midi, je vous le rappelle, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En van de middag zegt hij dat nog eens, het is niet goed dat een mens alleen is. Il y a la différence entre un homme marié et un homme qui n'est pas marié. En er is een verschil tussen een man die getrouwd is en niet getrouwd. Je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Allez, un condamné. Un verschil met niemand. Mais je vous encourage de vous marier. Allez, geeft u raad om te trouwen. Quand j'étais célibataire. Toen hij niet getrouwd was. Et quand je suis devenu marié, toen hij getrouwd is geworden, il y a eu de différence. Was er een verschil. Ma vie n'était plus la même. Het leven was niet meer hetzelfde. Et je vis la gloire de Dieu à travers le mariage. De grootheid van God gezien in zijn huwelijk. Le mariage est une bonne chose. Huwelijk is een goede. Respectez le mariage. Respecteer het huwelijk. Cherchez à vous marier. Zoek eruit dat u gaat trouwen. Et vous verrez la gloire de Dieu. En je zult de grootheid van God zien. Prenons nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 4. On va nu even onze Bijbel nemen. In de boek van Exodus. Exode 4. Exodus 4. 21 à 26. 21, 26. D'accord. Nous allons suivre en néerlandais. Dus Exodus 4, vers 21. De controleurs riepen: dit is jullie schuld. Dat de farao en zijn bewaker zo hekel aan ons hebben. Het is jullie schuld. Pardon. Mozes, in Egypte moet je voor farao alle wonderen doen die ik je geleerd heb. Maar de farao zal het volk niet laten gaan, want ik zal ervoor zorgen dat hij niet toegeeft en blijft weigeren. Dan moet je de farao vertellen dat ik gezegd heb: ik ben de Heer, ik hou van het volk van Israël alsof het mijn oudste zoon is. Ik heb je gezegd, farao, dat jij mijn volk moest laten gaan. Ik wilde dat zij mij zouden verheren, maar jij liet ze niet gaan, daarom zag ik je oudste zoon doden. Toen Mozes onderweg was naar Egypte, kwam de Heer in de nacht op Mozes af. Hij wilde Mozes doden, toen ging Sipora, de vrouw van Mozes, vlug haar zoon besnijden. Ze pakt een scherpe stuk steen, daarmee snijdt ze de voorhuid van haar zoon af. Met de voorhuid raakt ze de voeten van Mozes aan en ze zei,
door dit bloed kun je mijn man blijven. Dat zei ze omdat hun zoon nu besneden was, toen liet de Heer Mozes met rust. Amen. En français, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépices de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit, l'époux de sang à cause de la circoncision. Amen. Amen. Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse est un homme puissant. Un homme qui a marché avec Dieu. La Bible parle de Moïse en disant, The Bible speaks over Moses as if Dieu parlait avec Moïse comme un homme parlait à son ami. God spoke with Moses was a man with a friend speak. Moïse était l'ami de Dieu. Moses was a friend for God. Moïse pouvait prier Dieu et séparer les eaux en deux. Moses could pray to my God and he could water the mer in two doen, the ocean in two doen. Moïse pouvait prier Dieu et la manne tomber pendant 40 ans. And Moses could blijven gebeten naar God en de manna kwam uit de hemel. Moïse était un grand leader parmi les leaders de la Bible. Moses was een grote leider tussen al die leiders. Moïse a vu la gloire de Dieu. Moses had de grootheid van God. Dans sa prière, il a dit, Dieu, je veux voir ta gloire. In zijn gebed, hij zei, God, ik wil uw grootheid zien. Et Dieu a dit, je veux te faire voir ma gloire. En God zei, van, ik zal u mijn grootheid laten zien. Dieu a passé et Moïse a vu Dieu de dos. En God is daar voorbij gegaan naast Moses. En Moses heeft God van achter kunnen zien. Laissez-moi vous dire que Moïse a vu Dieu. Laat mij u zeggen dat Moses God heeft gezien. C'est pour vous dire que c'est un grand homme. En om te zeggen dat hoe groot dat Moses un homme puissant. Een man die heel krachtig is. Un homme qui craignait Dieu. Un man die God vreesde. Et à travers Moïse, Dieu a fait des grandes choses, des grandes miracles. Door Moses heeft God heel grote dingen gedaan. Et l'histoire que nous venons de lire. Nu, wat wij nu hebben gelezen. Comme vous le savez, l'Israël souffrait en Égypte. Zoals jullie weten, Israël had problemen in Egypte. Israël était en esclavagisme en Égypte. Ze waren slaven in Egypte. Ils pleuraient. Ze waren aan het huilen. Ils se lamentaient. Ze waren aan het afvragen. Et un jour, Dieu a entendu le cri qui poussait. En op een dag heeft God hun schreeuw gehoord. Et Dieu a dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. En God zegt van, ik ben naar beneden gekomen om mijn volk te redden. Et Dieu n'est pas descendu lui-même. God is niet zelf naar beneden gekomen. Il a choisi Moïse pour que Moïse fasse ses tâches. Hij heeft Mozes uitgekozen zodat Mozes die werk kon doen voor hem. Il est apparu à Moïse. Hij is voor Mozes gekomen. Moïse a discuté comme vous le savez. Zoals jullie weten, Mozes had even twijfelde. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Mozes zei, ik kan niet spreken. Vous le savez, je fuis même l'Egypte. En zoals jullie weten, ik ben gevlucht van Egypte. Mais Dieu lui a dit, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. U bent degene die mijn volk haalt. Laisse-moi vous dire que Dieu ne descendra pas pour délivrer quelqu'un dans cette vie. Ik ga even zeggen dat God niet naar beneden zal komen om iemand uit zijn leven te halen. Mais Dieu va t'utiliser toi pour que par toi Dieu délivre son peuple dans la vie. Eigenlijk God gaat u gebruiken zodat iemand kunt redden. Et Dieu a donné la mission à Moïse. En God gaf de opdracht aan Mozes. La mission était d'aller délivrer le peuple. En de opdracht was ga de mensen redden. Ce que j'ai aimé, Moïse n'est pas parti tout seul. Et Moses is niet alleen gegaan. Moïse a pris avec lui sa femme. Moses nam zijn vrouw mee. Séphora. Et il a pris aussi ses enfants à lui. En hij heeft ook zijn zoon meegenomen. Bien aimé, quand nous sommes appelés au ministère ou à servir Dieu, faisons-le avec notre famille.
moet weten, broeders en zusters, als u een luister hebt, u moet het doen met uw familie. U moet uw familie meenemen naar uw luister. Jozua zei: moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Jozua zei: mijn huis en ik zullen de Heer verheren. Est-ce que nous servons l'Éternel avec nos maisons? Dienen wij God met al onze huis? Moïse l'a fait. Moïse n'est pas parti tout seul. Moses heeft het gedaan, hij is niet alleen gegaan. Et en cours de la route, onderweg, il faisait nuit. Het was 's nachts. Il fallait que Moïse dorme dans un lit. Moses moest ergens slapen. Et le lit en question, c'était dans un désert. En dat was eigenlijk in een woestijn. Et vous savez, le désert, dans le désert, il y a tous les dangers. En zoals u weet, dus de woestijn is heel gevaarlijk. Et en plus, c'est la nuit. En dat was ook nog eens 's avonds. Et la Bible déclare, pendant la nuit, en de Bijbel zegt, pendant que Moïse dormait, toen Moses aan het slapen was, l'Éternel attaqua Moïse et il a voulu le faire mourir, au verset 24. En dan zeggen ze, de Heer kwam de nacht op Moses af, hij wilde Moses doden. L'Éternel a attaqué Moïse. De Heer, onze Heer wou Moses doden. Nee, nee, ce n'est pas une personne qui a attaqué Moïse. Dat is niet iemand, een persoon. Ce n'est pas son oncle. Die heeft aangevallen. Ce n'est pas son cousin. Dat was niet zijn neef. Mais c'est God, Dieu. Maar dat was God zelf. Vous pouvez imaginer. Je moet je voorstellen. Dieu a tellement la puissance. God heeft zoveel macht. Qu'il pouvait écraser Moïse comme un homme peut écraser une fourmi. Hij kon eigenlijk op, over Moses trappen en die was verdwenen. Mais Dieu a fait durer le suspense. Maar God liet even duren, liet even pour que toi et moi nous tirons des leçons. Zodat we eigenlijk daar een lessen konden halen. Moïse était mourant. Moses was sterven. Moïse était à l'agonie. Moïse was helemaal sterven op die moment. Et ce que j'ai aimé, c'est le ministère maintenant de sa femme Séphora. En wat hij mooi vond aan die vrouw, de luister van zijn vrouw op die moment. Ça, c'est l'importance du mariage. Dat is eigenlijk het belangrijkste van een huwelijk. L'importance de se faire accompagner par sa femme. De belang dat zijn vrouw meekwam. Moïse était mourant. Moses was sterven. Moïse n'avait plus de force. Moses had geen kracht. Parce que c'est Dieu qui lui a attaqué. Want dat was eigenlijk God die hem had aangevallen. C'est Dieu qui a voulu faire mourir Moïse. Dat is eigenlijk God die Moses wou laten sterven. Sa femme s'est levée. Zijn vrouw stond op. Sa femme a crié. Zijn vrouw riep. Sa femme a dit, cet homme est mon époux de sang. Die vrouw zei van, deze man is mijn man. Bien-aimée, la Bible déclare. The Bible says, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Diegene die een vrouw vindt, vindt het geluk. Ta femme pour toi doit être le bonheur. Uw vrouw moet uw geluk zijn. Ta femme a le pouvoir de te protéger. Uw vrouw heeft de macht om u te beschermen. Ton mari a le pouvoir de te protéger. Uw man heeft de macht om u te beschermen. Niet était Sephora. As. Niet était Sephora. Als Sephora erin was. Si Sephora n'était pas là. Si Sephora erin was. Moïse allait mourir. Moïse n'allait même pas accomplir sa mission. On n'allait pas connaître le Moïse que nous connaissons aujourd'hui. Bien aimé, quelle place tu donnes à ton épouse? Est-ce que tu marches avec ta femme? Est-ce que tu honores ta femme? Vereert u uw vrouw? Est-ce que tu laisses ta femme d'exercer ce quoi Dieu a mis en elle? Laat uw vrouw zijn luister doen wat God in haar heeft gezet. Là, je m'adresse à nos épouses. Nu spreek ik even naar de mannen toe. Dieu a dit, je ferai à l'homme une aide semblable. Oh, sorry, aan de vrouwen. God heeft gezegd, ik zal iemand maken die als u bent. Vous êtes une aide pour votre mari. U bent een hulp voor uw man. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui marchent presque seuls dans la vie. Mannen van God vandaag die eigenlijk alleen hun leven leiden. L'homme de Dieu qui va exercer le ministère quelque part, il part seul. En de man van God die ten luister ergens moet gaan doen en die is alleen ook op zijn. Ma prière est que nos mamans puissent changer, que nos mamans accompagnent leur mari. Ons gebed is dat onze moeders, vrouwen moeten veranderen. Parce que meegaan met hun mannen. Une femme est aussi une protection pour son mari. Moet weten, een vrouw is ook een bescherming voor zijn man. Quand nous sommes dans un milieu, als we ergens, in een, ergens zijn, il ne faut même pas que les gens demandent où est l'homme, le mari de telle, la femme de telle. Mensen moeten zelf niet afvragen wie is de man of wie is de vrouw. J'aime un homme de Dieu qui dit toujours que là où vous êtes, il faut que votre femme soit à côté. Comme ça, s'il devait y avoir une tentation, s'il devait y avoir une personne de mauvaise volonté, elle ne saura pas s'approcher parce qu'elle voit que sa femme est à côté.
La femme, tu dois soutenir le ministère de ton mari. Quand je parle du ministère, je ne vois pas la prédication. Je vois la mission de ton mari. Chacun de nous sur la terre a une mission. Et la femme a dit, Dieu a dit à la femme, soyez soumise. Quand tu faisais tes vrouwen, wees gehoorzaam aan je man. Cela veut dire, mets-toi sous la mission de ton mari. Dat betekent, zet je onder het opdracht van je man. Dieu a donné la mission à l'homme. God heeft de missie gegeven aan de man. Et il a demandé à la femme de se mettre sous la mission. Hij heeft gevraagd aan de vrouw om zich onder die missie te zetten. Cela veut dire, il faut soutenir. Dat betekent dat je man moet steunen. Soutiens ton mari. Steun je man. Sephora s'est levé. Sephora is opgestaan. Maman, si tu te lèves, tu vas défendre ta famille. Als u opstaat, je zult uw familie beschermen. Si tu te lèves, maman, tu vas défendre ton mari. Als u opstaat, maman, je zult uw familie beschermen. Moïse était grand. Moses was een heel grand. Le monde entier parle de Moïse. Tot vandaag, mensen spreken over Moses. Mais qui a sauvé la vie de Moïse? Wie heeft het leven van Moses gered? C'est sa femme. Dat was zijn vrouw. La femme a de l'importance. Marie, ne négligez pas votre femme. Marie, respecte ta femme. Et laisse la femme exercer le ministère qu'elle a. Et je vais dire aux mamans. Il y a d'autres situations que vous ne devez pas accepter. Si Sephora avait accepté cette situation, Moïse allait mourir. Als Sephora op dit moment die problemen had geaccepteerd, dan ging Moses sterven. Sephora s'est levée. Sephora stond op. Elle a plaidé contre Dieu. Elle met God gaan spreken. Dieu a déclaré, venez et plaidez. En God heeft gezegd, kom we gaan dat hier bespreken. Venez et défendez-vous. Kom hier en kom je eigen verdedigen. C'est ça ce que Sephora a fait. En dat is waar Sephora had gedaan. Sephora a dit, non, cet homme ne va pas mourir comme ça. En Sephora zei, die man gaat niet zomaar sterven. Je refuse de rester veuve. Ik verweiger het om een weduwe te worden. Les enfants sont encore à bas âge. De kinderen zijn nog heel jong. Non, on vient de se marier à peine. Wij zijn juist getrouwd. Mon époux est encore jeune. Mijn man is nog heel jong. Ce n'est pas l'heure de mourir. En dat is niet de tijd om mon esprit, mon époux a une mission qui n'a même pas commencé. Mijn man heeft een missie en die is nog niet meer begonnen. Quand vous criez, Dieu entend. Als u naar God roept, hij luistert. Quand vous criez, Dieu entend. God luistert als u naar God. C'est la raison pour laquelle je demande toujours aux femmes d'être le premier intercesseur de leur mari. Daarom vraagt u altijd aan de vrouw om altijd een gebed altijd te doen voor haar man. L'église peut intercéder pour un homme de Dieu. En de kerk kan voor een man van God gebeden doen. La première intercesseur, c'est la femme de l'homme de Dieu. Maar de eerste gebed dat moet komen, dat moet van de vrouw van de man. Le premier supporter, le premier aide de l'homme de Dieu doit être sa femme. De eerste hulp van een man moet zijn vrouw zijn. Et même si l'homme en question n'est pas un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, mais son épouse doit être son premier supporter. Ook al die man is niet de man van God, maar zijn vrouw moet zijn grootste beschermer zijn, zijn grootste iemand die hem helpt. Sephora n'a pas prié dans son cœur. Sephora is niet naar haar hart gaan bidden. Mais il y a des fois, il faut faire sortir la voix. En soms moet je je stem laten horen. Il y a des fois, il faut réclamer des choses. En soms moet je dingen eisen. Il faut proclamer votre liaison. Dingen hardop zeggen. Waar uw relatie is. Il faut déclarer que celui-ci est mon épouse. Je moet horen op zeggen dat deze man is mijn man. Si le mal atteint votre femme, toi l'homme qui te lève, dis, c'est mon épouse. Als het slecht in jullie familie komt in je huwelijk en je man, je moet staan en zeggen dat is mijn vrouw. Cela n'est valable que pour les liaisons légales. Dat geldt alleen voor mensen. Cela n'est pas valable si l'homme n'a pas donné la dot. Dat geldt niet voor mensen die niet getrouwd zijn. Cela n'est pas valable si c'est le zamen woning. Dat geldt ook niet met samen wonen. Cela n'est valable si les parents ont eu leur dot. En dat telt alleen als de ouders hun bruidschat hebben gekregen. Femme, lève-toi. Vrouw, sta op. Marie, homme, lève-toi. Mannen, sta op. S'il y a des choses qui ne marchent pas, als er dingen die niet werken, Sephora n'a pas regardé que je suis une femme. Sephora had niet gekeken, ik ben een vrouw. Et l'histoire se passe dans la nuit.
L'histoire se passe dans la ville. Dans le désert. In the woestijn. Même si tu cries, personne ne va t'entendre. En als jij roept, niemand gaat u. Même si tu cries, personne ne viendra à ton secours. En ook al roept u, dan komt niemand u te hulp. C'est pour un crier vers Dieu. C'est pour heeft naar God zitten roepen. David a dit, c'est vers l'Éternel que je regarde, d'où me viendra le secours. C'est van, dat is naar de Heer dat ik kijk, waar dat mijn hulp vandaan komt. Sephora a défendu son mari. Sephora a son man beschermd. Ça, c'est l'avantage du mariage. Dat is eigenlijk het voordeel van het huwelijk. Heureux ceux qui sont mariés. Gelukkig diegenen die getrouwd zijn. Parce que vous n'aurez pas assez de tentations. Want je zult niet veel verleiding krijgen. C'est la raison pour laquelle nous devons honorer le mariage. Dus daarom moeten we de huwelijk eren. Je vais finir par dire que. En zal een conclusie maken. Le mariage c'est beau. Huwelijk is heel mooi. Mais nous savons que dans chaque mariage. We weten dat in elke huwelijk. Ja, chaque mariage a ses propres difficultés. Elke huwelijk heeft zijn moeilijkheden. Chaque mariage a ses propres problèmes. Elke huwelijk zijn eigen problemen. Moïse s'est marié avec Séphora. Moses trouwde met Séphora. Bien qu'il soit un homme puissant. Oh, hij was een krachtige man. Mais il a eu aussi des problèmes dans son mariage. Ook al was hij een krachtige man, hij heeft ook problemen gehad. Séphora n'a pas été aimé par la famille de Moïse. Séphora was niet aangenomen in de familie van Moses. Parce que Séphora était une étrangère. Omdat eigenlijk Séphora een buitenlander was. Moïse aussi avait des problèmes. En Moses had ook problemen. Je sais. Et je te pose la question, quel problème tu as dans ta vie de couple? Hij weet het, maar hij vraagt natuurlijk, welke problemen heeft u in uw huwelijk? Dans chaque couple, il y a des problèmes. In elke huwelijk is er een probleem. Et je vais dire aux enfants de Dieu, de ne pas comparer votre couple à un couple des amis. En je moet vooral niet uw huwelijk vergelijken met het huwelijk van je vrienden. Ne compare jamais ton couple à un couple d'amis. Je moet uw huwelijk niet vergelijken met. Parce que tu ne connais pas la vérité dans ce couple-là, tu ne connais pas. Je weet eigenlijk de waarheid niet van uw huwelijk. Quand vous voyez l'homme et la femme sortir, vous ne savez pas quel genre de difficultés ils ont surmonté. Als u die man en vrouw buiten ziet, u weet niet wat voor verschil en moeilijkheid dat ze hebben gewonnen eigenlijk samen. Ne ramenez pas non plus ce que vous regardez dans le film d'amour, c'est que le fait de l'amour. Ne l'appliquez pas dans votre vie de couple. En breng ook niet series voorbeelden in uw huwelijk. Ne cherche pas que ton mari soit comme Victor, non. Moi je ne suis pas Victor. Je ne serai jamais comme Victor non plus. Man zoals een van de serie Victor, dat je man daarop moet lijken. Amen, amen. Amen. Ton mari est tel qu'il est. Man is zoals hij is. Ne cherche pas qu'il ressemble à une autre personne. Je moet zoeken dat je iemand anders moet gaan lijken. Tu as le pouvoir de transformer aussi ton mari. U heeft de macht om je man te veranderen. Si tu veux que ton mari devienne comme Victor, alors achète-lui des costumes pour qu'il ressemble à Victor. C'est si simple que ça. Als je wil dat je man als Victor moet lijken, koop dan een costume voor hem zodat hij daarop kan lijken. Amen, amen. Amen. Dans le mariage, il faut donner. In huwelijk moet je geven. Si vous voulez recevoir de l'amour, il faut commencer par donner de l'amour. Als je liefde moet krijgen, dan moet je liefde geven. C'est la loi de la semence. En dat is de wet van de zaden. Ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Wat jij zult zaden, zult het kunnen krijgen. Tu veux être aimé, mais toi tu n'aimes pas. Je wilt geliefd worden, maar u houdt niet. Ça ne marche pas comme ça. Zo werkt het niet. Si tu veux être aimé, commence d'abord par aimer. Als je wilt geliefd worden, dan moet je eerst gaan houden. Celui qui donne, recevra. Degene die geeft, zal het krijgen. Amen, amen. Amen. Ne demande pas beaucoup. Toi cherche à donner beaucoup. Vraag niet te veel. Probeer eerst veel te geven. Et dans l'histoire de Moïse que nous venons de lire, het verhaal van Mozes dat wij hebben gelezen, nous voyons que Moïse avait une mission. En wij zien dat Mozes een missie had. Et il a pu introduire sa femme dans cette mission. Hij heeft zijn vrouw mee in die missie genomen. Papa, il faut convaincre ta femme à entrer dans la mission que Dieu t'a donnée. Vaders, je moet uw vrouw kunnen convaincre. Overtuigen dat hij meegaat. L'homme a la mission, mais il est incapable de transmettre cette mission à sa femme. Ça n'y va pas. Il a une mission, mais c'est moeilijk om die missie te proberen te overtuigen aan zijn vrouw. Sephora a laissé ses parents.
Si pour un elle a laissé sa famille pour suivre Moïse. Sa famille gelaten om Moses te volgen. Et pour suivre Moïse où? En waar moest Moses gaan? En Egypte. In Egypte. Face au pharaon. Yes, tegenover Pharaon. Face à l'armée la plus puissante du monde. Hij moest die volgen tegen de mensen die het sterke waren in de wereld. Sephora dit, je vais suivre ces hommes. Sephora zegt van, ik ga mijn man volgen. Ça c'est l'amour. Dat is het liefde. C'est pas seulement quand tout va bien que tu dis chérie, chérie. Dat niet alleen als alles goed gaat dat je dit chat chat. Mais devant aussi les difficultés, maar devant Pharaon, tu dois être toujours aussi à mes côtés. Pharaon moet je ook naast je man gaan staan. Parce que Sephora a pris des risques, on pouvait tuer Moïse, sa famille et Sephora. En Sephora heeft heel veel dingen genomen, want ze kon haar man vermoorden, ze kon alles doen met hun man, maar ze heeft dat toch aangenomen om haar man te volgen op die moment. On se marie pour le meilleur et pour quand il y a des problèmes. We trouwen voor het goed en het slecht, ook al zijn er problemen. Amen, amen. Amen. Il faut que l'amour surmonte nos difficultés. En dat de liefde moet meer sterker worden dan onze problemen. Il faut que l'amour règne dans nos couples. Het moet er zijn in onze koppels. La Bible déclare que l'amour triomphe toujours. De Bijbel zegt dat de liefde alles heerst. L'amour ne joue pas. De liefde valt niet. L'amour excuse tout. De liefde vergeeft alles. L'amour comprend tout. De liefde begrijpt alles. Apprenez à aimer votre conjoint. Moet leren van je vrouw. Marie, apprends à aimer ta femme. Mannen, u moet uw vrouw van uw vrouw leren houden. Soyez unis. Wees je eenheid, je hebt een eenheid samen. Si vous êtes unis, l'ennemi n'aura pas de place. Als jullie eenheid hebben, de duivel heeft geen plaats. Heeft geen plaats. Si l'ennemi sait que vous êtes unis, il ne viendra pas dire, tu sais, tu as vu, tu connais. De duivel ziet dat jullie samen eenheid vormen, hij zal ook niet komen zeggen, u weet daar en daar. Die gaat dat niet doen. Parce que l'ennemi sait que si il s'approche de la femme va raconter cela à son mari. Want de duivel weet van, als ik naar zijn vrouw toe ga, die gaat dat bij haar man brengen. Amen, amen. Amen. Que l'amour triomphe dans nos couples. Dat de liefde heerst in onze huwelijk. Papa, aime ta femme. Papa, hou van je vrouw. Maman, aime ton mari. En mama, hou van je man. Fais tout pour défendre ton couple. Doe alles om je koppels te beschermen. Que les mamans soient comme Sephora. Dat de moeders zoals Sephora zijn. Dans les difficultés, elle se lève. Dat je in de moeilijkheden dat je opstaat. Et elle crie fort. Dat je heel hard moet gaan roepen. Seigneur, c'est mon mari. Ik hoop dat het mijn man. J'ai un témoignage en organisé. Heeft een getuigenis van iemand. Il y avait un couple où le mari était toujours malade. En dat was een koppel waar de man altijd ziek was. Ça n'allait pas dans la vie du mari. Het ging niet in het leven van die man. Jusqu'au point où la femme s'est levée. Tot op de dag dat die vrouw opstond. La femme a prié Dieu en disant. En die vrouw ging naar God en zei. Seigneur, je t'avais demandé un époux. Elle zei van God, ik had een man gevraagd. Seigneur, je t'avais demandé du mariage. Ik zei van God, ik had u een huwelijk gevraagd. Tu m'as donné cet homme. Il y a des prophéties qui ont sorti que c'est l'homme de ma vie. Et Seigneur, je sais que ce qui vient de toi ne peut être que du bon. Je ne veux pas que mon mari soit dans cet état. Quelques jours après, l'homme a été guéri. C'est pour vous dire que si vous êtes un avec votre mari, si vous êtes unis, als jullie eenheid zijn, vous allez triompher. Jullie zullen alles overwinnen. L'amour triomphe toujours. De liefde overwint alles. L'amour triomphe toujours. De liefde overwint alles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? L'amour triomphe toujours. De liefde overwint alles. Nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur. Quand vous allez sortir d'essayer, mettez en pratique l'amour. Als jullie buiten komt, zit daar in praktijk het liefde. C'est triste de voir qu'il y a d'autres hommes qui critiquent leur femme. En dat is heel triste om te zien dat sommige mannen hun vrouw kritiseren. Tu es marié avec une femme et tu les critiques, tu les calomnies. Je bent met een vrouw of met een man, je zit over haar te roddelen of over hem. Ngambo moi si nanga otonga nga. Ça va chauffer. Je zit dat met een vrouw over hem gaat roddelen. Mais heureusement, elle ne le fait pas. La femme est là pour vous protéger. Amen, amen. Je ne veux pas éterniser la parole. J'appelle la sœur Pierrette. Elle est là. Sœur Pierrette, elle est là. Appelez la sœur Pierrette pour que nous continuions le programme. En fait, l'exhortation que j'avais, c'est sur le mariage. Et vous allez vous poser les questions. Pourquoi les mariages? Et vous vous demandez pourquoi les mariages? Pourquoi les mariages? Sœur Pierrette,
Pourriez-vous continuer le programme? Dus onze zuster heeft kunt u de programma weten. Amen, amen, amen. Ne soyez pas discret. Wees niet discreet. Nous allons voler. We zullen. Nous allons prendre de l'envol. We zullen nu even heel hoog aan gaan vliegen. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Heer. Pour moi, je me suis arrêté là. Pourrions-nous applaudir de nouveau pour la parole de Dieu. Merci. Merci. Merci.